Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 64 de Final Fantasy XIV. Eh ouais, un stack d'épisodes, c'est fait. Allez, on avance et on va parler acide. C'est parti. Je dois reconnaître que tu as la classe dans cet uniforme impérial, tu parles. Bon, je crois que je vais arrêter mes plaisanteries. Passons aux choses sérieuses. C'est parti. Récapitulons notre plan d'infiltration. Castrum Sentry est juste là. Une unité impériale est partie faire une patrouille il y a quelques minutes. Alfino et moi allons créer une diversion pour les occuper. Pendant ce temps, vous trois allez entrer dans la base en vous faisant passer pour ces soldats garde le Maldais. De retour de votre ronde. Si nécessaire, je vous contacterai par Linkshell. Soyez prêts à battre en retraite. Ok. On est parti. Comme d'hab. Boom. Wedge pilotera l'armure Magitech et prendra la tête. Biggs et toi, Bahazon, restez près de lui. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous dire, mais quoi qu'il arrive, ne révélez pas votre véritable identité. Ça, merci. Ida et Yashtola étaient là un peu plus tôt, mais elles ont remarqué quelque chose et sont allées voir ça de plus près. Elles m'ont chargé d'un message pour toi, Bahazon. Ne fais rien d'imprudent. Bon, ça, on verra bien. Et si on peut les sauver, on ira les sauver. Je crois que c'est tout. La patrouille impériale ne devrait pas tarder à revenir. Vous feriez mieux d'y aller. Bonne chance à vous trois. Que les 12 vous protègent. Let's go! Alors, est-ce que c'est... Comment ça va fonctionner? Ok, bah c'est directement comme ça. On y va. Ok. Nous sommes... Aïe! Pas sympa ça. Ne la touche pas. Nous avons besoin de votre pouvoir, de l'écho. Alors je dois te poser quelques questions. Dis-moi, votre but est bien de vaincre les primordiaux, non? Oui, entre autres. Puisque l'Empire s'en charge à votre place, pourquoi ne pas rester à votre place et obtempérer sagement? C'était si simple. Oh putain, je m'énervais. Tu vas te calmer tout de suite, c'est ma copine. Alors tu vas gentiment cracher le morceau et mourir rapidement, sans douleur, ou continuer de te faire humilier et agoniser dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? Putain. La chef des héritiers de la septième aube. Les sujets portant en eux le pouvoir de l'écho nous intéressent au plus haut point. Nous allons donc examiner ton corps dans ses moindres détails. Emmenez-moi tout ça au camp, pour un transfert au laboratoire de Castrum Meridianum. Merde, ils veulent les transférer. Oh, mes amis. J'arrive, Minfi. On va faire ce qu'on peut, mais j'arrive. C'est parti. Alors, on va parler à tout le monde. Ah, faut faire le salut à chaque fois, d'accord. Hop là, yo bro. Oh, excuse-moi, j'étais tellement absorbé par mon travail que je n'avais pas remarqué que tu étais là. Crois-moi, tu ferais pareil si la commandante t'avait ordonné d'arranger le transfert des prisonniers. De quel prisonnier je parle? Eh bien, de ces aventuriers de la 7e aube, que la commandante a capturés, bien sûr. Ils sont gardés dans la tour de dépôt et sous haute surveillance. Ah, ok. Je sais déjà où ils sont. Maintenant, je sais pas où aller à la tour de dépôt, mais... Allez, on va parler au décurion qui est là. Pareil pour toi. Bro, hop là. Repos. Bienvenue à Castrum Sentry, ingénieur. Hein, les prisonniers? Ils sont retenus dans la tour de dépôt, mais tout ça ne te concerne pas. Le général Van Belsel... c'est Gaius, hein, je crois. Vous avez fait venir toi et ton équipe pour une mission particulière. Je vous suggère vivement de l'accomplir au mieux que, de mieux que vous pouvez, si vous ne voulez pas fâcher son excellence. Ouais, il a l'air un peu nerveux lui.
Et le petit soldat là-bas. Ah, ça va, il y a Bix qui est là. On l'a mis KO lui ? Je sais pas. Hop, yo. Oui, c'est exactement comme ça qu'elle me salue dans mes rêves. Tu sais de qui je parle ? Mais non. Ce n'est pas du tout une femme aux cheveux blonds. Pop, 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 pop. Ah, d'accord, c'est pour une jolie falafel que j'ai le béguin. Oh, waouh. Putain, il en faut. Hein. Il n'y a pas de mots pour décrire son charme. J'ai tellement envie de la serrer dans mes bras et de passer la nuit avec elle. Tu penses que le centurion me laisserait emprunter la clé pour que je puisse la voir ? Non. Allez, c'est parti. Comme prévu, l'endroit est bien gardé. Il va falloir une clé spéciale. Si nous voulons passer. Ok. Bon, peut-être parler au centurion. C'est peut-être lui qui va peut-être lui donner la clé. Pour conquérir Salalafel. Ça m'étonnerait, mais bon. Ils sont peut-être gentils, hein, les gens de l'Empire. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as besoin d'aller à la tour du dépôt. Pour quelle raison, juste ? Un ordre de la commandante ? Voilà qui est inhabituel. Mais je ne tiens pas à subir sa colère si elle apprend que je lui ai désobéi. Tiens, prends cette clé d'identification, rapporte-la à moi quand tu auras fini. Bon, c'était trop facile. Trop facile. Ils ont tellement peur d'elle qu'ils feraient tout, quoi. Allez, hop. Au niveau de sécurité, nous avons besoin de... T'inquiète pas, je l'ai. Vas-y, balance. C'est bon, t'as ouvert la porte. C'est good. On y va. On peut passer. On est passé. Et bon, on y va. C'est ça la tour des dépôts ? Ah oui, c'est grand. Oh, ça sent l'instance, ça. Pas l'instant. Oui, ce serait une instance, quoi qu'il se passe, mais... Est-ce que ça va être un donjon, peut-être aussi ? Je ne sais pas. Eh ben non. C'est parti. Let's go. Non ! C'est Minfilia. Et les autres sont là aussi. Les dieux soient loués. Ils sont sains et saufs. C'est moi que vous voulez... Laissez partir les autres. Si vous leur faites le moindre mal, je vous jure que je me tue. Tu vas te calmer tout de suite. Aïe, attends. Tataru, nous devons faire quelque chose. Nous risquons d'alerter tout Castrum Sentry, mais nous n'avons peut-être pas de meilleure opportunité. On y va, on y va. Il ne reste plus qu'à attendre le moment propice. Maintenant. Ici la troisième escrade, qui a-t-il ? Une armure magitech nous a été subtilisée pendant une patrouille. Quand est-ce arrivé ? Ce n'est que maintenant qu'on s'en aperçoit, bande d'incompétents. Les coupables ne sont probablement pas loin. Envoyez des agents retrouver leurs traces. Allez, faut y aller là. C'est maintenant ou jamais. Go! C'est nous. Par tous les diables, ignorez cet ordre. Éliminez ces intrus. C'est parti. Allons sauver nos poteaux. C'est parti, hop, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait bim, hop, voilà, allez, on finit lui déjà. Détachez-nous, ensemble nous comprenons, t'inquiète pas, je vais gérer. Lui il est fort, lui, on va commencer par lui là, lui il est moins fort. Ifrit, please. Voilà, c'est bien. Vas-y, finis-le. Allez, reste plus que lui. Titan. On va
On va l'avoir. Garuda. Ah, mais alors, faut peut-être aider en fait. Ah, t'es marrant toi. Faut d'abord les finir, je pense. Hein. Bon, faut d'abord les finir. Tiens. Allez, meurs. Voilà, c'est bon. On a réussi. C'est moi. Bah, Azon, j'ai eu tellement peur. TKT. Vous êtes fous d'être venus jusqu'ici. Vous auriez pu vous faire tuer. Mais je vous remercie tous. Je frémis en imaginant ce qui serait arrivé si vous ne nous aviez pas porté à notre secours. Quelqu'un a vu Sancred ? Je m'inquiète. Je commence à m'inquiéter pour lui. Non, personne l'a vu. Il nous faut d'abord quitter cet endroit. Nous sommes encore entre les griffes de l'ennemi. On se casse. Comment ? Les prisonniers se sont échappés ? Retrouvez-les. Ils ne doivent en aucun cas sortir de cette base. Chien. Mais qu'avons-nous là? Ah tiens. C'est bien la commandante Livia Asjunius, comme tu le disais. Tu as vraiment des yeux de lynx, Ida. Disons qu'elle est difficile à rater avec cette armure tape à l'œil. Tu m'étonnes. Maudit héritier, comment avez-vous réussi à éluder nos défenses? Assez facilement, à vrai dire. Il y a eu un vacarme fortuit dont, j'en suis sûr, tu es au courant et qui nous a permis d'entrer en toute sécurité. Je n'ai pas vraiment aimé le wagon. Il faisait trop sombre et trop froid pour moi, là-dedans. Je vois, vous avez donc joué au fantôme dans le train de ravitaillement. Il va falloir que je punisse ces hommes pour leur terrible négligence. La façon dont nous sommes entrés ici est le cadet de tes soucis, je te l'assure. Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir répondre. Ouais, elle est forte quand même. Hein. C'est toi qui as lancé cette attaque contre le refuge des sables et qui a massacré tous ceux qui n'ont pas été faits prisonniers. Oui, tu as tué nos amis. Nous ne te le pardonnerons jamais. Nous ne pouvons pas te laisser menacer davantage Eorzea. Prépare-toi à payer pour tes crimes. D'autres intrus, ils s'en prennent à la commandante. Ne restons pas là. Viens, Ida. Bon, il se casse vite en fait. Hein. Comme si elle allait te laisser partir. Raté. Attrapez-les. Où est son excellence? Dans le hangar, commandante. Il est avec cet homme. Allez l'informer sur le champ. À vos ordres, commandante. Cours. Ah, tu es moi la maline, hein? Ah, t'es énervé. Non, et non! Et si, chez. Les voilà, dispersez-vous et encerclez-les. Il faut protéger Tataru. Biggs, je vais créer une diversion. Assure-toi que tout le monde s'échappe. Non, Wedge, ne fais pas ça. Il est amoureux. Fitch, je vais rester avec Minfilia et Tataru. Retenez-les, vous trois. Ça marche. Allez, c'est parti. On va combattre cette petite bestiole-là. Ça devrait aller, en vrai. J'aurais bien voulu m'équiper autrement, parce que bon, c'est pas forcément mon meilleur équipement, mais bon, on n'a pas le choix. Et c'est parti. Allez, on commence par lui. Ah non, par Medicus là. Celui qui heal direct. Hein. Hop. Allez, hop, ça c'est fait. Il est fort lui. Ah non, ça va.
Allez, un autre de mort. Il reste plus que lui, tout va bien. Pourquoi il est invulnérable? Il faut que j'arrive à trouver un truc qui... qu'est-ce qui fait un champ de force? Ah, c'est là-bas. Il y a un champ de force. Go! Faut tuer lui d'abord. Allez, Garuda, fonce! Détruis-moi ça. C'est bon, je suis prêt, les gars. Go! Ah, j'ai pris, zut. Oh, comment je l'ai défoncé le truc? Allez, ça dégage. Facile. Oh putain, merde. Hop là, c'est reparti. Oh, il y a encore un champ de force. Où il est? Là, je pense. Non? Bah, je sais pas en fait. Ah ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Il doit être là-bas. Ouais, il est là-bas. On va le détruire tout de suite. C'est bon. Ifrit, occupe-toi de lui s'il te plaît. Voilà, bien joué. On y va. Oh mais merde, il y en a un autre. Et où il y a un autre champ de force, ça se voit. Il y a rien là. Voilà, un de moins. Ah, ça va être là. Putain, je l'avais pas vu ce truc là. C'est bon. On peut y aller les gars. Voilà. Ça prend bien cher la machine là. Allez Garuda, fonce. Voilà, une machine de moins. Il en reste plus qu'une. C'est chaud hein, des fois. Hein. Oh putain, fais chier sérieusement encore. Mais non, mais arrête de le heal en fait. Ok, il va falloir lui tuer lui d'abord. Restez sur vos gardes. On essaye, t'es marrant toi. Voilà, le healer est mort. On va s'occuper à l'avant-poste maintenant. On va finir celui-là. C'est bon, il se heal plus cette fois-ci. Hein, c'est bon. Allez, tiens. Papa Limo, ça va, il gère. Ouais, ça va. Allez, il manque plus que lui. La grosse armure. Bon, ça va en vrai. Ça va passer. Nous avons le dessus, mais méfiez-vous quand même. TKT, je gère. Attention, ça. Ça fait mal. Allez, meurs. Réussi. Eh bah, dis donc. C'était chaud, hein. C'est bon, on peut s'enfuir? Pas encore.
Allez, ça passe. Vous pouvez les tuer, mais la blonde doit être capturée vivante. Vous touchez pas à la blonde, ok? Ah, coucou, Yajtola. Quoi? Yajtola. Eh ouais. Désolé du retard, Minfilia. Tu fais quoi, toi? Papa Limo, Minfilia. Et sa copine. Tu en as mis du temps. Ça va. Vous allez bien. Ils reviennent. T'inquiète, on se les fait facilement. C'est l'heure de la raclée. Yeah. La leur ou la nôtre? La leur, t'inquiète. Tu leur as abandonné ton armure? Mais t'es bête ou quoi? Mais il a fait ce qu'il pouvait, hein. Mais seul contre eux, j'avais aucune chance d'avoir le dessus. Bah oui, ils ont pas l'habitude. Ici cible, vous m'entendez? Ouais. Comptez jusqu'à 5 et tenez-vous prêt à sauter. D'accord, ça marche. Vous êtes prêts? Quatre. Cinq. Et voilà. Mission réussie. Bon, sauf pour l'armure Machitech, mais bon. Ça reste une armure, c'est pas grave en vrai. Les discours des dirigeants fantoches et orséens. Porteur de paroles stériles et couardes, une farce jouée par des meneurs ineptes, inconscients de la futilité de leur pouvoir, et applaudis à grands cris par un peuple fruste et imbécile. Mais tais-toi, on a gagné. Pauvres héritiers, comprendrez-vous un jour que seule la force compte dans ce monde ? Seule la force pure peut gouverner, guider et protéger les peuples et les terres. Ou pas. Cessez de vous voiler la face. Seul celui dont la puissance dépasse celle des primordiaux peut garantir le salut des Orzea. Eh, y a moi aussi, hein. Moi je les défonce les primordiaux, hein. Quoi? Ouf. Qu'est-ce que c'était? C'était juste. Oh merde. C'est l'arme qui a vaincu Garuda. L'Ultima Arma. Elle est donc achevée. Eh oui. L'Ultima Arma. Il s'agit d'un vestige à la Gua découvert à Alamigo. Une arme possédant une puissance ultime, capable de vaincre n'importe quel primordial et de réduire n'importe quel pays en cendres. C'est ça. L'Empire veut utiliser cette arme pour soumettre les pays des Orzea. Sois maudit, Gaius. Ouais. Tiens, regardez, à côté de Gaius. C'est un Ancien. Ben oui. Cette tenue, il s'agit d'un Ancien haut placé, un dirigeant. Bah c'est la Abrea. Mais alors, ce serait la Abrea? Ben oui. Sans crède. Sans crède? Eh ouais. Mais alors, ce Labrea, c'était sans crède? C'est pas possible. Bah apparemment, on s'est fait avoir. On va plus tenir longtemps. Il faut partir. Cassons-nous. Sans crède. Ha 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 ha
vaincra le traître. Le salaud. Il nous a eu. Alors Sancred était en réalité la Abrea. Et en plus, c'est moi qui l'avais chargé d'enquêter sur les Asiens. Dire que je n'ai rien remarqué, je ne me le pardonnerai jamais. Casse pas le bateau. Ça veut aussi dire qu'ils savaient tout de nos agissements. C'est très fâcheux. Mais oui, c'est comme ça qu'ils ont su. Ils ont maintenant à leur disposition une arme d'une puissance phénoménale qui n'a fait qu'une bouchée des primordiaux. Nous devons absolument avertir l'Alliance Eorzéenne du danger de cette arme. Ce n'est pas le moment de nous lamenter. Ah, c'est toi qui te lamentes, hein. Allô ? Tu m'entends, Krill ? Enfin, au moins, nous sommes tous sains et saufs. L'ennemi a beau être puissant, c'est l'union qui fait notre force à nous. Héritier de la 7ème aube. C'est pas faux. Nous devons maintenant faire savoir aux cités d'Eorzea que nous sommes de retour et que Garuda n'est plus à craindre. Ah, falloir unir tous les peuples, hein. Pas le choix, là, hein. Nous aurons encore besoin de vous pour le combat qui s'annonce. T'inquiète, je suis là. Compte sur moi. À bientôt. Mettons-nous en route. Nous devons parler aux dirigeants des cités-états sans perdre un instant. Let's go. La grande guerre commence. Il faut sauver Eorzea. Ah. Que les 12 emportent ce salaud et cette fichue Ultima Arma. Que toutes les troupes du Maelstrom soient mobilisées au plus vite. Transmettez à tel machin l'ordre de se préparer à déployer la flotte immédiatement. Terminé. Ah, tout le monde est là, c'est cool. Le Maelstrom est prêt. Qu'en est-il des immortels ? Aussi prêt que jamais. Roy assure que le commandement en mon absence. Ah. Canessena. Avons-nous des nouvelles d'Ishgard ? Tu parles. Rien, ils n'ont pas daigné nous répondre. Notre appel a été ignoré, c'est bien ce que je craignais. Bon, forcément, ils sont pas à les couilles. Comment cet archevêque peut-il garder le silence dans une telle situation ? Il n'y a quoi douter de la conquérante ? Quoi, attends ? Il y a de quoi douter que la conquérante soit leur déesse titulaire. Ok, d'accord. Bref. Tiens. Nanamo. La Sainte Cité a fait son choix. Nous devons agir avec ou sans son aide. Allez, go! Nous pensons que vous êtes tous au courant des termes de l'ultimatum que nous a lancé le loup noir. Nous avons décidé de la marche à suivre. Le sort de toute Eorzea dépend de l'issue de ce conseil. Nous devons, pardon. Gaius déclare avoir le pouvoir d'écraser les primordiaux. Si nous capitulons, il nous promet de nous débarrasser de ces créatures. En cas de résistance de notre part, il a juré de nous anéantir en même temps que les dieux des tribus barbares. Pardonnez-moi ma franchise, mais aucune de ces solutions ne me tente. Cette décision est trop importante pour que l'une de nos nations ne la prenne seule. Nous devons trouver une réponse tous ensemble. Prions pour que la sagesse nous aide à trouver celle dont nos peuples bénéficieront. Bon, faut y aller là. Allez, on va y aller. Mais pas tout de suite les amis, parce que là, bah, je pense que l'épisode est déjà très 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 long. Alors on l'a fait en une seule fois quasiment. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Bumbo, tu peux te dégager s'il te plaît. Merci, attendez, excusez-moi, on va se mettre comme ça. Voilà. Et bah écoutez, on va s'arrêter pour cet épisode. Nous avons sauvé Minfilia. Et ça, est-ce que c'est pas le plus important ? Moi je dis que oui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et en attendant, ciao les amis. Bye bye.